De quelle couleur est le feu? C'est une question que tu peux te poser avant un entraînement et dans la vie en général. C'est une analogie un peu simpliste entre un véhicule qui arrive à un carrefour avec un feu de signalisation et ton corps. Donc l'objectif, c'est de faire un autocritique, une auto-analyse de soi avant d'arriver à l'entraînement pour savoir dans quelle disposition je me trouve avant cet entraînement et du coup, comment est-ce que je pourrais me sentir durant l'entraînement. Donc, trois cas de figure. Le premier, le feu est vert. Je suis en forme, j'ai bien dormi, tout se passe bien pour moi, je n'ai pas de blessure, je peux m'entraîner à fond et donner mes pleines capacités. Donc, option 1. Option 2, le feu est rouge. Donc là, c'est à l'inverse, j'ai pas dormi de la nuit. Je serais pour une fois les nouveaux parents. J'ai été avec toute la nuit, j'ai assumé mon travail, mais bon, l'entraînement, ça va peut-être un peu trop. Donc, je pense que je fais l'impasse sur l'entraînement aujourd'hui. Ça peut être une histoire de blessure ou autre. Option 3, c'est un peu plus... une zone un peu plus intermédiaire, un peu plus grise. Le feu est orange, donc il y a quelque chose qui m'empêche d'être à 100%. Est-ce que ce quelque chose, encore une fois, c'est au niveau émotionnel, c'est au niveau physique, c'est au niveau de fatigue ou autre? À vous de savoir cela. Et là, je vais du coup soit réduire l'intensité si c'est une blessure, soit adapter mon entraînement si c'est une blessure, encore une fois, au niveau du poignet. Enfin, je vais plutôt travailler mon bas du corps. Et peut-être que ce orange se transformera en rouge dans certains cas si je pense que c'est mieux pour moi de passer à cette couleur, ou en vert si tout à coup après un échauffement je me suis dit ouf, je suis vraiment fatigué, ça va pas aller, et non, tout à coup je me rends compte que nerveusement j'ai la pêche et que je peux dériver sur un vert. Bon, c'est aussi une situation intermédiaire qu'il faudra adapter en fonction de la situation. Donc voilà pour la petite astuce des feux, même si c'est un peu simpliste, peut-être que ça pourra vous aider à vos entraînements pour ne pas vous blesser et vous entraîner dans les meilleures dispositions. Belle journée !